Ok. Allez, c'est parti du coup. Et salut les potes, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo sur My Hero Academia, The Strongest Hero. Il y a la bêta fermée qui est dispo depuis plus de 24 heures. Et pour partager cette vidéo, je suis avec le frérot Kaku TV. Comment ça va, Kaku? Ça va et toi frérot, merci pour ton invitation, ça fait plaisir. Ben, merci à toi. Abonnez-vous à sa chaîne, un maximum de pouces bleus, un maximum de commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de cette tier list en commentaire également et je vous laisse avec lui si on est sur sa chaîne. Merci encore pour ton invitation. Voilà, donc comme il a dit, et que vous le voyez en dessous de mon écran, on va élaborer la première tier list du début du jeu. Ben, parce que voilà, on sait très bien qu'il y a plein de personnes qui vont sans doute reroll pour avoir les persos qui veulent leur perso préféré ou les plus puissants du début du jeu. Et c'est pour ça que ben, j'ai appelé Kaku à la rescousse, parce que Kaku, c'est un joueur de la version chinoise qui est sortie depuis décembre 2020. Donc voilà, ça fait plus de 6 mois qu'il joue au jeu depuis Day One. Et en gros, il connaît quand même la part des choses sur le jeu. Il pourra vraiment vous aider, les frérots, pour ceux qui débuteront le jeu en même temps que moi sur la globale, parce que moi j'ai pas du tout regardé ce qui se faisait sur la version chinoise. Je sais les persos qui sont sortis, mais je me suis pas plus renseigné que ça. Et je vous invite d'ores et déjà à rejoindre le Discord dédié à ce jeu, dont Kaku est un cofondateur. Je vous mettrai le lien dans la description, les frérots. Du coup, Kaku, voilà, on a plusieurs personnages. Donc là, dans la tier list, les persos qui sont disponibles, certains persos ne sortiront pas dès le début. Par C'est bien exemple, quoi? ça. Aizawa, All Might, ben oui, eux Aizawa. deux notamment, ils ne seront pas de suite. C'est bien ça. Non, Aizawa, ça sera le premier portail. À part s'ils changent et qu'ils mettent tout simplement le perso farmable comme dans la bêta, parce qu'à l'heure actuelle, de ce qu'on a vu, c'est un perso farmable. On verra sa sortie. Sinon, à part ça, on a pour les grosses whales, ceux qui sont dans le top classement, ils auront la possibilité de tout simplement gagner Endeavor. Mais pour le moment, on ne le met pas parce que il sera gagnable au bout de la fin de la première saison du PVP automatique. Et on a décidé pour le moment que de prendre les persos du début du jeu. Du coup, on a 4, 5A, on a 5S, et après c'est du B, mais vous allez comprendre au fur et à mesure. On va détailler chaque personnage avec leurs compétences, leurs habilités, leurs passifs, etc., leurs éveils, leurs limites de rec. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Ok, du coup, ben pour débuter cette tier list, on va commencer par les persos que de ton côté tu utiliserais le moins possible, ceux que pour toi sont les moins efficaces, etc. Et là, la tier list, c'est d'un point de vue global, on ne va pas se focaliser sur que le PVP ou comme ça, on essaie de faire une note globale du personnage. Ok. Et du coup, pour toi, là, on a catégorisé de Z à C. Quel personnage pour toi en premier tu mettrais dans la catégorie C? Dans la catégorie C, pour le moment, je mettrai en dernière position Milita Minoru, celui qui a son pouvoir de coller les gens, de coller les objets, etc. Pour quelle Ok. raison? Tout simplement, c'est un perso qui ne fait pas beaucoup de dégâts, c'est pas un DPS. C'est un perso squishy. Ça, c'est un perso assez correct en tant que support et soutien, mais n'est pas présent en tant que bon personnage qui permet de DPS ou qui permet tout simplement d'envoyer les persos dans le décor. D'accord. Par Et exemple, lui, de toute façon, on a beaucoup de chance de l'avoir dans les invocations, non? ouais, également, c'est un perso à longue distance. Il a pas une bonne survie. Et il n'est pas très dur à jouer. Sa défense est facile à détruire. Et il a pas assez de dégâts pour détruire la défense et la résistance ennemie. Du D'accord. coup, son pouvoir, comme vous le savez, c'est de créer tout simplement des petites boules, des sphères, et de coller les adversaires, de les ralentir, et de frapper, on va dire, en quelque sorte, en zone. Mais les dégâts en zone qu'il provoque ne sont pas oufissimes, ne sont pas incroyables. Du coup, pour ma part et de façon globale, il est mieux de le classer en dernière position. D'accord. Ok, bon après, ouais, c'est pas étonnant, ça aurait été surprenant que ce perso qui occupe pas non plus une très grande place dans le manga soit directement dans les meilleurs du jeu. C'est pas très étonnant.
Ensuite, est-ce que tu mettrais d'autres personnages dans la catégorie C? Réellement, on pourrait même réduire à 4 catégories parce que Tsuyu sera devant Mineta et comment il s'appelle le personnage avec la queue, le karatéka, serait Ouais. devant ces deux-là. Mais sinon, ouais, on pourrait la réduire à 4 lignes pour le moment. On enlève la C parce que pour le moment, il n'y a pas assez de personnages pour déterminer par la suite. Sur les 3-4 portails qui arriveront par la suite, c'est sûr que qu'on va réorganiser tout ça avec les prochaines tier list. Mais là, à l'heure actuelle, c'est mieux de réduire à 4 lignes. Donc là, Mineta, je le déplace en B Ouais, également. en B directement. Parce que Ok. sinon, il serait seul sur la ligne C, ça serait débile. D'accord. Donc Tsuyu, on la met également en B. On la met en B. Ok. Tu Et la devant, voilà, tu la devant mets Mineta. devant. En fait, elle a une capacité. En fait, elle met tout simplement. Elle a la capacité de tout simplement mettre du poison, d'être invisible sur une certaine zone. Un peu. Je vais prendre un exemple un peu à part. Vous voyez Akali dans League of Legends. Ceux qui connaissent League of Legends, ben, elle a la même capacité que Akali. Une fois qu'elle attaque, elle perd cette capacité d'être invisible. Elle fait assez de gros dégâts. Elle frappe dans les airs, elle frappe au sol, elle a de beaux combos, mais ce n'est pas suffisant pour la mettre en A à l'heure actuelle. D'accord. Et on sait que les combos, ça sera un paramètre très déterminant dans ce jeu. C'est bien ça, que ce soit en PvP ou en PvE. D'accord. Ok. Ensuite, comme autre personnage, ah, j'ai plus son nom en tête, c'est horrible. Celui qui est le karatéka et que. Qui est blond et que karatéka, tu le mettras en B aussi? C'est bien ça. Attends, son prénom c'est Mashirao, c'est ça? Ogiro, Oui, Mashirao. Mashiro. Oui. Et Donc, en tu vrai, le mets devant Tsuyu ou pas? en réalité, je le mets entre les deux. J'ai oublié de D'accord. préciser que Eijiro, le gars en rock, aux cheveux Ouais. rouges, il est en dernière position. Il est entre. Je pourrais le mettre en A parce que il est très souvent joué en PvP. D'accord. Bah, du coup. En PvP en temps réel. Mais sinon, en PvP auto, c'est pas une unité qu'il faut privilégier. Ok. Donc, Eshiro, tu le mettras en A, lui? Ouais, je le mettrai en dernière position A. Ok. Du coup, un petit mot quand même sur le karatéka et du coup Eshiro ensuite, pour pourquoi il est en B et pourquoi il est en A, lui? Du coup, parce que la difficulté à jouer Mashirao pour un perso A, je le trouve assez complexe. Même s'il fait Ouais. de dégâts assez corrects et il a une bonne survie, plus une destruction de la garde ennemie assez correcte, le personnage dans son ensemble n'est pas assez bon parce que il n'a pas de range, il n'a pas de dash il peut pas aller directement dash sur l'adversaire Ouais. comme un Midoriya ou comme tout simplement un Aizawa ou un All Might. Ok. Très bien. Du coup, à côté de Deshiro, qui mettrais-tu? Réellement, je mettrais Bakugo. D'accord. Hop, attends, je vais le mettre devant. Ok. Voilà. Bakugo, alors qu'est-ce qu'il fait lui dans le jeu? Bakugo, en fait, on va dire que pour le PVP en temps réel, il est nul. C'est pas le perso qu'il faut privilégier. Pour le PVP D'accord. auto, il est plus ou moins correct. Et En PVE. en PVE, il est correct. Je mets là parce que D'accord. dans sa globalité, en fait, je le privilège parce que ses combos sont joués à voir. Et il frappe dans les airs. Donc il peut annuler certains personnages Ouais. dans leurs combos. Il a une suite de combos avec son explosion qui peut faire de gros dégâts un peu à la Denki. Sur la quatrième D'accord. compétence. Enfin sur la première compétence, mais à la quatrième utilisation de compétence, ça lui permet tout simplement de faire des critiques et des dégâts supplémentaires. Ok. Du coup, voilà.
Après, quand le limit break est enlevé, c'est sûr qu'il a davantage de dégâts, de vie, de statistiques Ouais, il supplémentaires. sera bien mieux à jouer, ouais, une fois qu'il Voilà. aura des max, quoi. Après, ça, c'est comme la Voilà. plupart des persos, j'imagine. C'est bien Ils ont les ça. max, donc ils prennent un power de fou. Ok, en plus, Pugo, il fait partie quand même des personnages, je pense, qui est très apprécié dans la licence. Donc, même s'il est A, il y a moyen que, même moi, tu vois, je pense que je serais quand même content si je le drop, tu vois. Ah, c'est Pour ça, rappel, ça. Pugo, c'est un perso S dans les raretés de perso. C'est ça. Donc, voilà, il sera compliqué à dropper dès le début, quoi. Il va être compliqué, même si j'ai un doute, mais je pense que le premier portail en temps réel, juste après Aizawa, dès que Aizawa partira, ça sera le portail de Bakugo. Si on suit D'accord. la chronologie des portails de la version chinoise. D'accord. On rappelle les gars que dans la bêta, ils ont fait une modification par rapport à la Pity. Sur la version chinoise, au bout de 60 ou 70 invocations, on avait le personnage de la bannière. Et là, maintenant, ils ont passé à 100 invocations. Donc, on espère que c'est que pour la bêta. Mais bon, je pense un peu. Rectification pour les personnages en dehors du portail premium, on aura tout simplement une pitié à 70 pools, donc 70 invocations ou 7 multi pour avoir le Ouais. perso. Malheureusement, ça sera que sur des promotions de certains personnages d'RTP élevé. Je sais pas si vont faire ça pour tous les personnages. Vraiment, on ne Ouais. connaît pas encore le système de la version globale. On préfère pas trop s'avancer, dire des erreurs comme sur One Piece Fighting Pass avec la sortie de plusieurs Ouais, tickets différents ou quoi que ce soit. c'est clair. Mais c'est vrai que là, ouais, j'ai vu que là, par exemple, dans la bêta, si je vais sur le second onglet, en fait, il y a un portail avec un taux de drop augmenté pour Bakugo. C'est bien ça. Et sauf que ces portails-là, en fait, ils vont rester autant longtemps que les portails futurs, comme par exemple Aizawa, All Might, Stain, etc. Ouais. Ça sera pas rentable d'invoquer là-dessus, parce que le plus rentable, ce serait d'invoquer sur les portails futurs et non les portails qu'on a dans les portails les portails qu'on a dans les portails premium. Ouais, ok. Bon, du coup, on s'est un peu éloigné de la tier list, on va y revenir dessus. Après Bakugo, du coup, pour toi, quel personnage serait quand même important à avoir et que du coup, on classerait encore dans la catégorie A ou Ah, peut-être en S? avant toute chose, j'ai fait une petite erreur. Entre Eiji et Bakugo, je mettrais. Comment il s'appelle? Je mettrais. Comment il s'appelle? Ah, j'ai complètement oublié son nom. Tenia, le délégué? Ouais, voilà, Tenya le délégué, c'est bien ça. Ok, entre les deux. Entre les deux, ouais. Parce qu'en Ok, fait, très bien. en PvP en temps réel, il est très très fort. Dans le sens où Ouais. quasiment l'entièreté de ses compétences dash. Enfin, on fonce directement sur l'ennemi, font des Ouais. dash, et en fait, ces dash-là vont être très cruciales pour tout simplement prendre l'avantage sur l'adversaire. Il a une compétence au corps à corps qui tout simplement colle à l'adversaire et le bastonne pendant 3 à 4 secondes, ce qui est énorme. Mais comparé à Bakugo, qui lui permet tout simplement d'aller dans les airs et de cancel certains personnages, tu vois. Et de même esquiver certaines attaques dans les airs, ben, ça a l'avantage à tenir. Du coup, je le mets D'accord. entre les deux. Ok. Personnage suivant, du coup. Je mettrai Oshako devant Bakugo. D'accord. Du coup, pourquoi je la mets? Pour le moment, on se base que sur leurs compétences, pas sur leurs caractéristiques, parce que ce serait beaucoup trop long, parce qu'il y en a un arbre de compétences passives, un arbre de compétences. Différents quand on éveille, quand on limite break, etc. Donc, pour le moment, on se focalise que sur leurs compétences. D'accord. Pour Oshako, pourquoi je la mets devant Bakugo? Parce qu'en fait, elle a une technique qui lui permet tout simplement de voler dans les airs et de frapper sans être vulnérable. Sans être vraiment vulnérable au perso au corps à corps tel que comment il se Tsuyu ou encore Mashirao ou Tenya ou encore Eiji. D'accord. Elle a une zone qu'elle met en fait qui permet de paralyser dans une zone et qui envoie des débris de pierres, de cailloux dans cette zone et qui fait Ouais, des la limitation, ouais. voilà. Et après,
son autre compétence, c'est elle tourne sur elle-même avec un gros pilier de mur ou un gros pilier tout simplement ou, qui projette au sol l'adversaire. D'accord. Donc c'est pour ça que le perso, en soi, il reste assez bon. OK. Après, sa dernière compétence, c'est tout simplement une paume en avant, un dash sur une très courte portée qui permet tout simplement de stun l'adversaire pendant 2 à 3 Ah, c'est pas secondes. mal. C'est pour ça que je la OK. mets dans cette position. Il n'y a pas beaucoup de persos qui stun ou qui envoient les dégâts. Par exemple, C'est clair. quand elle est dans les airs, elle envoie des météorites. Enfin, ce n'est pas des météorites, mais on va appeler ça des météorites. Et en fait, elle counter tout simplement Ejiro Oda vu qu'elle est dans les airs et il pourra pas contre-attaquer Ejiro. Ok, ça marche. Ensuite, est-ce que il y a encore des persos dans la catégorie A ou est-ce que tu passes au niveau S? On va directement passer en S. Du coup, tu mettrais qui dernier de du niveau S? Je mettrai Denki. Ok, Denki, l'homme qui électrifie tout le monde. Là, ça sert à rien de tout le monde là, donc on n'a pas forcément besoin de débrief le perso. Du coup, Ouais. il fait de gros dégâts. Quand il active son aura, ça lui permet tout simplement de contrer, de faire plus de dégâts, de stun ou de cancel certains personnages, mais sans plus. Ouais. Après, il a certains sorts qui paralysent les adversaires, qui les stun, qui les Ouais, ralentissent, ça c'est mais pas mal, sans ça. plus. Voilà. Je l'ai testé, ouais. Voilà. Après, en PvE, ça reste un bon perso DPS parce qu'il frappe de loin, il permet de. Il a une Il peut faire certaine la kill région. zone, etc. Franchement, en Voilà. PvE, pour l'avoir testé dans l'émission, là, il est cool à jouer. Même le gameplay est Voilà. sympathique, en vrai. Voilà. Donc, faut qu'on le show dès le début, hein. Après, je mettrai Midoriya. Midoriya, donc pareil, c'est des persos free to play, hein. Perso, à ne vraiment pas sous-estimer. À ne pas Alors, sous-estimer Midoriya. que ça soit en PvP auto, PvE ou encore. Ouais. Parce que c'est un perso free to play. Et ce personnage, en fait, sa deuxième compétence permet d'annuler le cooldown. Qu'est-ce que c'est le cooldown? C'est tout simplement le temps de recharge des compétences. Et pas de toutes les compétences. Son premier dash, qui est quasiment une téléportation qui se TP sur la première cible, mais en fait, quand vous activez la deuxième compétence, qui est la bichenette d'air, là, le tir avec le doigt, ben en fait, quand vous touchez la cible avec cette bichenette, ben, ça remet à zéro le cooldown et vous pouvez directement réutiliser la téléportation, le dash, tout simplement le coup de pied rotatif. Ok. Et du Bah moi, coup. Midoriya, pareil, gameplay sympathique. Et je pense qu'une fois que tu maîtrises vraiment ses compétences, comment les enchaîner pour que ça fasse un combo long et qu'il fasse beaucoup de dégâts, franchement, il est très cool à jouer. C'est ça. Et en plus, qui plus est, quand il active son aura, donc son All for One, les dégâts augmentés de, si je dis pas de bêtises, de 40%, c'est bien ça? 40%, c'est énorme déjà. Dans le jeu, je pense que là, tu tabasses l'adversaire avec ça. Ouais, mais après, ça reste limité, tu vois. C'est un peu comme tous les persos. Ouais. Après, c'est normal. Si tu as des gros boosts comme ça sur une grosse durée, ça serait cheaté le perso à la fin. Oui, ouais, bah oui, c'est sûr. Tu es obligé de limiter, compenser le truc. Alors, Ok. Du et coup, ensuite, il nous reste 4 personnages là. il nous reste 4 personnages. Je mets Momo en première position. Momo qui est de rareté S Ouais. également. J'arrive pas à la. Hop là, c'est bon. Voilà. Rareté S, Momo. Donc vas-y, que Momo, pourquoi elle est meilleure à jouer que les autres persos? Je ne vous mens pas, sur la version sinon je l'ai drop récemment, je n'ai pas encore joué, mais je la mets dans cette position parce que j'ai joué contre et en fait en PvP automatique, elle a la possibilité de bien couvrir ses alliés avec ses tourelles. Et qui plus est, permet aussi d'annuler les joueurs avec ses sorts. Ouais. Les tourelles, en fait, elles font pas beaucoup de dégâts, mais sur du long terme, sur de la longue durée, ça devient vraiment un perso vraiment toxique. Après, son gameplay est très difficile à prendre en main, mais une fois que vous le Ouais. prenez en main, je vous assure que le perso reste très très, mais vraiment très 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 fort. À ne pas négliger, vraiment à ne pas négliger.
Genre sur la version chinoise, elle est encore jouée pas mal de fois, alors que ça fait 6 mois que c'est sorti. On va dire elle est moins jouée qu'avant parce qu'il y a Sten qui est sorti, All Might, Ouais. Aizawa, Shigaraki, tu vois. Donc Ouais. forcément, elle est largement moins jouée. Mais dans les premières semaines, quand moi je joue en PvP, eh ben, parfois je quittais les parties parce que je jouais contre elle. Ah oui, carrément, Ah d'accord. oui, pour te dire, même avec Midoriya qui est un perso vraiment incroyable pour un perso free-to-play, ben, je me faisais défoncer. Ouais. Je me faisais défoncer en PvP par des moments. D'accord. Moi, bon, ben écoute, du coup, si les gars vous la droppez, vous ferez sans doute du sale en PVP. Et même en PvE, quand je Et joue en PvE également. en coop, parfois, pas tout le temps, mais on va dire, allez, une fois sur 3, une fois sur 4, ben, Ouais. elle était top dégâts devant des D'accord. Fumikage, tu vois, Ah des oui, quand même. Fumikage, et des Shoto. Ok. Du coup, là, les persos qui restent, il y en a trois. Parmi ces trois, il n'y en a qu'un seul qui sera disponible dès le début encore du jeu. Donc, c'est Fumikage. Parce que All Might et Aizawa sortiront un peu plus tard, mais rapidement quand même, je pense, sur la version globale. Lequel tu mettrais du coup, est-ce qu'il y en a encore un parmi eux qui est en S ou est-ce qu'on passe à la catégorie Z là? On va passer à la catégorie Z. Catégorie Z, du coup, quel est le premier que tu mets en Z? Vu que Aizawa et All Might vont sortir plus tard, a priori, s'ils ne changent pas ce système-là et que Aizawa, parce que là, à l'heure actuelle, sur la bêta, c'est un perso farmable, Ouais. je mettrai en première position, enfin, en dernière position, je mettrai Fumikage. Ok. Mais sinon, le perso à privilégier au début dans le portail premium, ce sera Fumikage. J'ai Ok, oublié voilà. de Du coup, tu vas prendre. essayer d'avoir sur Henry Roll, quoi. On a oublié un perso. On a oublié un perso. Il y a qui comme perso tu... Shoto. On a oublié Shoto. Shoto, qui... Ah oui, Shoto est dans le portail. Bon, c'est pas grave, au pire, pour la vidéo, voilà, on va juste le dire à l'oral et je mettrai un petit mot dans la description pour être sûr que les gens... voilà, parce que je connais, les gens vont dire « Ah, il manque Shoto ». Photo, tu sens qu'il y a l'image, tant pis, ou je ferai un petit montage, tu le mettrais dans quel niveau? Je le mettrai en première position S. Ah oui, d'accord, donc devant Momo carrément. Ah oui, devant moi, c'est quand même, c'est un très gros perso. Dans le sens, en fait, et compteur la totalité des persos que tu vois sur ton écran. Ouais. Et il frappe au corps à corps et à distance. C'est pour ça que je D'accord. dis qu'il compteur Momo Oshako. En fait, il a une compétence tout simplement qui est compteur Oshako qui elle peut aller dans les airs. Et en Ok. fait, dès qu'il se met en mode glaçon, du coup quand il se met en mode ice, Ouais. il envoie des projectiles de glace, que ce soit dans les airs ou à la verticale. Et tout simplement, il compteur certaines compétences à incantation, chargeable, etc. Et après, dès Ok, qu'il se met en ouais, mode... carrément. Ah, il est très fort. C'est pour ça que moi, je préfère l'avoir. Parce que je sais déjà à quoi m'attendre avec Fumikage. Je connais son gameplay. Alors que Shoto, j'ai jamais drop et j'aimerais bien l'avoir parce que son gameplay est plus beau à voir. D'accord. Et bon, après, en termes de puissance globale, Fumikage, quand même, est peut-être plus efficace que Oui, Shoto. Voilà, quand t'es il est loin. largement plus efficace. On va y revenir après. D'accord. Du coup, ok, ben voilà, les gars, Shoto, premier de la catégorie S, du coup, donc très très bon perso. Si vous l'avez, ben réfléchissez. C'est, je pense que il vaut mieux garder le compte hein, si vous avez Il déjà avoir fait. Shoto également dans les invocations. Il Sauf si vraiment vous êtes fan de Fumikage et que vous voulez Fumikage, ben là, bonne chance. Il faudra reroll pas mal de fois sans doute. Et sans oublier qu'en fait, il frappe à longue distance avec ses compétences en dehors de ses attaques basiques. En fait, il frappe, il envoie un mur de glace à une distance plutôt assez correcte, on va dire à mi-distance. Et quand il frappe avec son feu, il frappe en zone et à mi-distance, ce qui fait que le perso reste vraiment D'accord. très très intéressant. Ok. Et du coup, ben, quel perso tu mettrais en deuxième position de la catégorie Z? Pour le moment, on va pas mettre All Might parce qu'il va sortir vraiment 2 mois plus tard, dans le déroulement et qui bombarde pas les Ouais. portails. On mettra Aizawa devant Fumikage. Ok. Et du coup, ben, All Might, forcément, lorsqu'il sortira, Non. ben, il... Non, il sera derrière Aizawa.
Ah, d'accord, bon, ok, c'est ce que j'ai mis du coup. D'accord, du coup, débrief-nous rapidement ce que font ces deux personnages. On Et on va rappelle qu'ils ne seront pas dispo dès le début, ou peut-être Aizawa en mode farming comme le Sanji SS sur One Piece, peut-être, on ne sait pas. peut-être, on ne sait pas encore, on verra. Tout d'abord, Fumikage. Pourquoi on l'a mis dans cette position? Il a un combo. Tu peux ouvrir Twitter et aller on va vous montrer un peu les gameplays très rapidement. Twitter et tu vas sur la page de My Hero Academia.fr. Juste pour montrer les gameplays rapidement des personnages. Ouais, donc attends, parce que là, mon PC. Ok, c'est bon, je suis sur Twitter. Et tu vas défiler en bas, tu vas aller gameplay, on va passer directement au gameplay de Fumikage. A priori, j'ai mis toutes les attaques et tous les combos de Fumikage si je dis pas de bêtises. Ça, je comptais l'ajouter en fait. Je comptais l'ajouter peut-être au montage de la vidéo. Tu sais, je mettrai le gameplay pendant que tu parles du personnage. Ah ben oui, dans ce cas-là, oui. Je comptais le faire à ce moment-là. Du coup, en fait, on aura le perso. Bon, ça, je coupe au montage à ce que je te dis là. Mais le perso, en fait, pendant que tu débriefes sur ses compétences, moi, en gros, à côté, je mettrai l'image du Twitter où on le voit justement, le gameplay du personnage, tu vois. Comme ça, les gens, ils auront l'image en même temps que tes explications. D'accord, ben impeccable. Du coup, pourquoi Fumikage il est dans cette il est en Z tier et pourquoi il est devant Shoto et comment elle s'appelle Momo? Et Momo. Tout simplement parce que il a un enchaînement de combos incroyables qui projette les joueurs au sol, qui les envoie dans les airs et les réécrase au sol. Après, il met une certaine zone. Et si l'adversaire se trouve dans cette zone, il se met dans un petit cocon d'ombre, de ténèbres, et il devient invulnérable pendant que les adversaires reçoivent des dégâts. D'accord. Il a une compétence qui permet de s'agripper à l'adversaire et d'aller directement sur l'adversaire pendant qu'il leur provoque des dégâts. Ok, ouais, donc très intéressant ça. Très intéressant. Et par la suite, quand il utilise son ombre, il se transforme, il vole. Donc quand il vole, il plane dans les airs, il a des dégâts augmentés, critique augmentée, tout est Ah augmenté. ouais, et toutes ces stats sont buffées. C'est ça. Et son attaque spéciale, je n'ai pas fait l'attaque spéciale des autres, et parce que vraiment c'est pas très intéressant comparé que ce soit à Shoto ou à Bakugo ou quoi. Bakugo, il frappe en zone avec son ultime, mais en fait. D'accord. Fumikage, il a pas mal de. Vous allez voir par vous-même avec le gameplay qu'il va vous présenter sur sa vidéo. Vous allez voir que le personnage, il est très très intéressant dans tout son ensemble même. Le gameplay est très dur à prendre en main. Plus dur que Momo. Vous allez voir que les dégâts qu'il provoque, que ce soit en PvP, en PvE et en PvP automatique. Le PvP automatique, il est très intéressant parce que. La plupart du temps, il va rester collé en fait à ses alliés. Et ce qui fait qu'il va pouvoir les couvrir avec sa zone où il est dans son cocon, tu vois? Ouais. Excepté où si vous le mettez avec Denki. Denki qui frappe de loin et qui sera Ouais. sûrement éloigné des personnages au corps à corps. D'accord. Bah ouais, franchement, Fumikage, les gars, du coup, ça sera quand même un des persos à chasser dès le début de l'aventure si vous voulez très très bien démarrer le jeu et avoir des facilités entre guillemets pour le PVP auto, PVP normal. Même PvE, il vous fera du très très sale dans les premières missions, etc. Non, mais c'est pas dans les premières missions. Il sera présent pendant les 2 premiers mois. Même Ouais, 3 premiers mois. carrément, voilà, j'ai jusqu'à septembre, il sera hyper intéressant à jouer. Ensuite, après, on va faire très vite comme ces deux persos ne seront pas forcément dispo dès le début, donc on aura le temps d'en reparler, je pense, plus tard. All Aizawa. Might, du coup. On va directement attaquer sur Aizawa. All Might, c'est plus complexe. On refera une vidéo de toute façon tier list quand tous les Ouais, personnages sortiront. on fera un truc spécifique sur lui, je pense, au moment où il sera annoncé. Ouais. Voilà, c'est ça. Aizawa. Qu'est-ce que ce bon vieux Aizawa fait? Premièrement, c'est un perso le meilleur DPS que j'ai connu et que j'ai pas été dégoûté d'avoir drop. Vraiment. Parmi tous les Ouais. S, il est incroyable. Premièrement, il fait que se TP.
quand je vous dis qu'il fait que stepper, il vous mettra le gameplay, vous allez voir par lui-même. Vous allez voir par vous-même. Dans le sens où il stepper, en fait, vous voyez dans Dokkan Battle, enfin, dans Dragon Ball Legend, quand vous faites une esquive, vous tapez directement derrière la cible. Ben lui, Ouais. c'est pas une esquive. C'est son passif et certaines passives de ses compétences lui permettent d'attaquer directement en se téléportant derrière la cible. Qui plus Ah, est, c'est trop des fort. dégâts augmentés, grappes, envoie les adversaires dans les ciels, les écrase contre le sol, pose des pièces au sol, se met invisible, critique augmentée. Je ne vous parle même pas de ses compétences et de ses limit break qui sont incroyables. Boost de 400%, de 300 à 400% de dégâts supplémentaires quand vous avez le perso en triple S. C'est le perso à privilégier au premier portail. C'est un perso Ah ouais. que ce soit en PVP, en PV ou en PVP auto, sera le perso top tier durant les trois, on va dire les 2 à 3 premiers mois. Il sera Ah ouais, largement plus je fort comprends. que Fumikage. Ah ouais, d'accord. Bon, en gros, les gars, voilà. Le problème, c'est qu'encore une fois, on peut pas, on veut pas dire d'erreur. On ne sait pas s'ils suivront la chronologie de la chinoise ou pas. Mais potentiellement, là, je pense que ça sera les mêmes tickets, hein. Il n'y aura pas des tickets différents, je pense, pour Aizawa et le premier portail. Donc, à vous de Non, voir. sur la si on se base Est-ce sur la qu'ils vont chinoise, le faire? sur la version Ouais. Ils vont chinoise, le faire ou et pas excuse-moi de te couper Guillaume, mais sur la version chinoise, on avait que 2 types de tickets, alors que là, à l'heure actuelle, on a 3 ou 4 types de tickets. On a les tickets du portail débutant, les tickets premium et les tickets des portails futurs. Ce qui fait qu'on ne Ouais. sait pas, on sait pas encore comment on va se focaliser. Mais dès que le jeu sortira du coup en mi-mai, ça sera pas le 19 mai, mais en mi-mai, on verra comment on va s'organiser pour les tickets. De toute façon, on va vous débriefer avec Guillaume et les autres youtubeurs. Vous inquiétez pas là-dessus. Ok. En tout cas, voilà les gars, grosso modo, voilà la tier list là, elle est finie. Le perso à voir dès le début, si vous voulez quand même invoquer un peu dès le début, ça serait Fumikage. Et très rapidement, il risque d'y avoir Aizawa qui sortira. Et lui, vraiment, c'est le GOAT pour les premiers mois du jeu, voire même, voilà, il se joue encore aujourd'hui, je pense, sur la chinoise un peu. Ah, il se joue Donc, énormément, il se joue énormément. à vous de voir voilà, quelle stratégie vous l'abordez, sachant qu'on ne sait pas si les tickets changeront ou pas pour le portail d'Aizawa par rapport au premier portail. Donc, là, c'est wait and see, les gars. Il faut attendre et voir ce que le jeu nous proposera. En tout cas, je te remercie beaucoup, Kaku, pour toutes ces infos parce que là, tu connais vraiment le jeu de A à Z et ça fait archi plaisir d'avoir des gens comme toi pour aider la communauté. Et encore une fois, les gars, n'hésitez pas à rejoindre son Discord. Je vous mettrai dans la description. Il a également une chaîne YouTube, les gars. Il fera beaucoup de vidéos sur le jeu, donc n'hésitez pas à le suivre. Je te laisse le mot de la fin, Kaku, pour clore cette vidéo. Merci à toi pour l'invitation. Encore une fois, les gars, abonnez-vous à sa chaîne parce que même lui, il compte faire pas mal de vidéos là-dessus. Il se précipite pas pour donner des mauvaises erreurs ou quoi. Il fera pas mal de tutos guides et vous expliquera mieux que moi certains guides parce que moi, comme vous l'avez vu, j'ai quelques défauts sur l'élocution et l'explication. Mais ne vous inquiétez pas, on fera énormément de vidéos avec Guillaume. Que ce soit concernant les lives que la boîte fera pour les personnages, pour les célébrations, pour les téléchargements, etc., etc., pour les mises à jour. Ne vous inquiétez pas, on vous prépare du lourd. Donc abonnez-vous un maximum à sa chaîne. Ça nous fera énormément plaisir. Rejoignez-le sur son Yes. Discord également. Il a son Discord perso. On a le Discord de MHTS, TSHFR. Et Ouais. également la page Twitter qu'on vous montrera, que je vous montrerai par la suite sur mes vidéos à moi et sur ses vidéos à lui. Tout sera dans la description, les gars. Donc, il faudra juste checker. Je mettrai également un commentaire épinglé, je pense. Et comme ça, vous aurez toutes les infos pour rien louper sur l'actualité du jeu. En tout cas, je vous fais des gros bisous, la team. À très vite pour une prochaine vidéo sur My Hero Academia, les gars. Ciao, ciao, tout le monde. Ciao, ciao!